Ok, c'est le Némésis. On va chercher la ruine. Oh, en vrai, ça sert totalement à rien de rester là. Oh là là! Oh, mais il y a un zombie là, droit devant. Ok. Ah! Là, ça fait plaisir! On a perdu l'un des nôtres. Je répète, on a perdu l'un des nôtres. Mais c'était carrément pour la bonne cause! Ok, elle est où? Oh là! Oh, il m'a vu là! Non? Ok, très bien. Ok. Wow, wow. Wow, wow! Ok. Je vais me prendre un... Oh là là. Ok. Bon, il a l'air d'avoir des perks pas gentils. Hein. Bon, j'ai une ouverture là. On va voir s'il va venir vers nous. Hein. Il a l'air d'avoir une perk qui fait exploser les moteurs une fois qu'il tombe au sol. J'espère qu'il y en a un qui va faire un moteur. Moi, j'en ai sauvé un, donc c'était très bien. Lui, il est ici. Donc, zéro moteur. En vrai, ça se négocie. S'il y en a un qui fait un moteur dans pas longtemps. Ce dont j'ai un doute, en vérité. Hein. J'ai un doute là-dessus. Pour la simple et bonne raison qu'il est arrivé. Ah, tu t'en fous 4% là. Ou alors, c'est parce que tu vas être aidé. Tu vas être aidé. Donc, c'est très bien. On en a un qui est en chase. C'est parfait. Mais on va avoir 3 ou un moteur. Ce qui est pas vraiment parfait. On n'est pas vraiment sur la bonne pente. Ça se négocie pour l'instant. C'est ok. Ouais, il faut pas que je compte sur les PU. Je suis d'accord. Mais je suis plutôt de nature positive. Je suis plutôt. Oh, celui-là, il faut le faire. Ok, il est où ? Wow, wow. Ok. Oh, il m'a snobé pour retourner sur l'autre. Ah, c'est moche ça. J'ai essayé de le récupérer un peu. En me disant, bah voilà, on va faire en sorte de d'aggro. Mais non, il allait sur l'autre. Il a vu que je l'ai. Je l'ai contre Kels. Il y a quelqu'un qui souffre, hein. On entend. Hein. Elle tousse aussi. Des chances à ce qu'en accrochant. Soit il vient par là. Ok, non. Bah en même temps. Bah, j'arrive, ouais. C'est bien, mais on va se rencontrer. Voilà, qu'est-ce que je disais. Il garde la propriété. J'ai pas vu un totem. Oh, je vais me soigner. Enfin, peut-être que j'ensorcelle. Un totem, mais c'est pas gagné. Hein. C'est pas du tout gagné. On n'a pas un début de game qui est ouf. Enfin, j'espère qu'on va... Oh, ok. Il a besoin d'aide. Il n'a qu'une seule vie. Ok. C'est compliqué. Hein. Est-ce que j'ai un totem par là? Ah, il va passer en paix. Non, il va pas passer en paix. Très bien. C'est déjà ça, hein. En vrai c'est déjà ça. Le Gotas. Aïe 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 aïe. Il a vu mes empreintes, il a vu mes éraflures. Il est en... Ok, non il a pas vu mes éraflures, il a vu les éraflures du Choubidou qui est là, très bien. Ça commence à être compliqué. Chaque jour, ses pensées l'obsèdent. Il n'a qu'une seule vie.
Voilà. Voilà. Oh là! Bon, j'ai un petit totem ici. Non, mais j'ai pas de totem hein, en sorcellerie, c'est quand même. Quand même un peu compliqué d'eau. Hein. Tirazilam, merci beaucoup, Tirazilam. Pour les 2 mois, merci infiniment. Ok. Je vais fermer la porte! Je te vomis dessus. Non. Bon, au moins il va venir sur moi, tu vois. Toujours un plaisir de suivre tes lives. Merci pour tout ce que tu fais, c'est adorable. Merci beaucoup. Bon, au moins je l'ai aggro. Oh mais non. Et la réparateur. On a un autre moteur. Oh, je vais tomber. Le moteur qui va se tomber dans 3, 2, 1, moins 1. Ben non, c'était un totem. Merci Guitrard pour le raid. Merci, j'espère que c'est bien passé pour toi. Merci, c'est adorable. Et bonne année. Aïe. Bon, on va pas se mentir, ça se passe pas super bien. Ils ont passé la game à se soigner. Ouais, j'ai essayé d'aggro pour éviter que la Michaela passe en P3. En me disant, c'est ok. Mais là, c'est très compliqué. Ils ont utilisé ouais, presque tout. Hein. Et oh, putain. Aïe, 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 c'est quoi cette suite? Allez! Soignez-moi. Ou pas du tout. Tu sais quoi, hein? C'est pas grave. On n'a qu'à dire non pour soigner. Bisous, fais ses valaches. Très bientôt, merci beaucoup d'être passé. Hein. Dune. Ok. Ok. Est-ce que j'ai un petit totem? Oh oui! Ah, vous êtes fous. Ok. Ah, ça peut être intéressant. Là, je pense qu'il y a Chili, un truc comme ça. J'ai pas l'impression qu'il y ait le tour à jouer. Non, il n'y a pas... Alors, le nombre de totems est totalement fixe. Je pense qu'il a vocation aussi. Non, ok. Yeah. Ok. Non, il y a forcément que 5 totems. On est parti. Il n'y en a pas plus, il n'y en a pas moins. Il n'y a pas d'offrande qui permet de modifier ça. 5. Uno, dos, tres. Oh, cinco. Bon bah... Tu es foutu. Merci beaucoup. Oh non, mais c'est dégueulasse! Je vais me faire gisled. Partie de plus en plus funeste. Oui! Ah, en plus, elle... Ok, non, non, tu vas pas... Tu vas pas prendre ça, hein? Ah non, c'est de l'autre côté, le coffre! Non, il y a Bernard qui arrive. Son mec. Mais quel relou ce Bernard. Mais oh, je peux pas reprendre ma trousse de soin. Quelle horreur. C'est vrai. Ok, bon bah... Comment on se dit que ça va pas... C'est quoi un zombie? Alors, un zombie... Non, 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 non.
En fait, c'est la première fois qu'il y a une IA dans le jeu. C'est un zombie. Le zombie en question pop avec Nemesis. Et le zombie a une aura où il détecte la présence du survivant. Auquel cas, il se dirige vers lui et le tueur, donc Nemesis, il voit l'endroit où se dirige le zombie. Il voit les zombies à travers la map. Donc si le zombie détecte un survivant, il tend les bras et le tueur, donc le Nemesis, il voit le zombie se mouvoir. Donc il sait exactement où se trouve le survivant à ce moment-là. C'est compliqué, qu'un seul moteur, c'est... On va pas se mentir. Sur l'échelle de la complication, c'est compliqué. Et c'est la première fois dans Dead by Daylight où il y a une intelligence artificielle. Le petit pont que vous entendez, c'est un bug sonore. C'est normalement, c'est le hit M1 du tueur. Ok, il tombe. Qu'est-ce qu'il y a ? Ok, ok, juste en bas. Bon, je vais arriver là. On va voir ce que ça donne. C'est compliqué. Hein. C'est la première fois que tu veux qu'il y ait une IA. Et les trois autres PU. On va voir comment est-ce qu'elle réagit. Objectivement, elle devrait... Elle devrait lâcher. Hein. Voilà, c'est ce qu'elle fait. Hein. Elle lâche. Dans les toilettes. Voilà. Ah, c'est la course à la trappe. Un, deux, trois. Wow! Au secours! Allez! Abonne-toi! C'est lui qui m'a fait aller dans ce monde. Du coup, c'est lui que je dois remercier. Ok, il est là-bas. Il y a deux moteurs. Très proches. Ah, il me suit, très bien. Bah, je l'ai éloigné au moins. Aïe, 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 aïe! Ok, c'est le même. Très bien. Ah! Il a réparateur. J'ai emmené loin du moteur. Du coup, ça rend le truc intéressant. Parce que il allait directement sur le moteur après la chase foirée. Il a vu que, qu'il pouvait pas gérer la chase, elle faisait perdre trop de temps. Les réparateurs, voilà. Ce qui est par contre dommage. J'ai l'impression qu'elle a essayé de grid le moteur. Elle a essayé de le grid et du coup, ben. Voilà. J'ai l'impression qu'elle est à la cave. Qu'elle était totalement à côté de. Ouais, c'est ça, du moteur que je faisais, pour le coup. Merci d'être là, Maillard. C'est mon plaisir de regarder tes lives après une grosse journée de travail. Et j'espère que c'est bien passé. Hein. Pas le problème, j'espère que c'est très bien passé de ton côté. Quoi ? Mais... Mais... Qu'est-ce qui s'est passé ? Mais... Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est... Merci Greda, merci Preda pour les 24 mois, 2 ans, merci beaucoup. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh là, mais c'est quoi cette... Elle s'est fait grab. Elle s'est fait grab. Merci pour les 2 ans, un très grand merci à toi. Oh, mais qu'est-ce qui... Et il y en a un qui tente les 4%. Qu'est-ce que je fais dans ce game? Désolé, hein. Je peux... Désolé, mais non. Ouais, je sors, c'est quoi? Allez. Mais ouais, c'est mieux.
C'est quand même vachement stylé comme gameplay. Mais... Ok. Le mec il attendait en haut des escaliers. Le mec il attendait en haut des escaliers. Aïe. Le mec il attendait en haut des escaliers quoi. Jerry McDonagall. des champions, allez. Alors. En vrai, c'est gérable. T'as peut-être passé de sueur à la prochaine game, peut-être. Ok. Non mais trop drôle, trop drôle. Bon du coup, on fait quoi? On va répliquer. Il a réparateur, il a mis ici directement. 5 hooks, pas un gène. Pourtant, c'est marrant parce que pourtant j'ai essayé de l'éloigner. Le tueur. Et c'est ce qui s'est passé. Mais il a arrêté sa chase. Après, encore une fois, en tant que tueur, il faut choisir cette chase. Mais là, il va arriver, hein, c'est ok. Alors, hop là. Incroyable! C'est quand même fou ce qui peut arriver dans une partie DVD. Qui l'eût cru? Mais j'en reviens pas que l'autre attendait. Ok. Bon, il a trouvé mon totem. Hein. Mais oh! Mais attends! Oh, j'y veux pas. J'ai arrêté. Il attendait. Devant. Il retourne sur la save. Parce qu'il gère pas. Il gère pas les chases du coup. Ça va, ok. Seulement, il joue bien. Et le coup de la cave, c'était logique. Il avait pendu 3, donc de la cave, il allait attendre gentiment la pampa. Non, en fait, d'un point de vue fair play, tu vas pas. Il va faire un moteur. Franchement, si on arrive à deux moteurs, mais c'est, ça va être caviar. Est-ce qu'il va pas arriver? Voilà, hop là, très bien. Oh, la durée de cette chaise, c'est quoi? Guinness Book. Trois moteurs, c'est beau ça. En vrai, c'est grave beau. Ok. Bah, j'ai bien fait de faire ça. Hein. Ok. Oh, aïe. Ah, il a déposé, il a pas eu le temps en fait de l'amener vers là. Il a pas eu le temps. Bah, Neshog. Ah,
Ok, je vais te soigner, mais ça sert à rien. Enfin, si, ça repousse la fin du monde. J'ai évité de la décrocher tout de suite pour qu'elle aille de l'autre côté. Franchement, si on arrive à deux moteurs, mais tellement incroyable. Tellement incroyable. Le Noed à la fin, ça a l'air d'être le profil. Hein. Je vais voir le matou en feu dans quelques secondes. Et si j'arrive à deux moteurs? Bah voilà, matou en feu. Boost de vitesse. Il doit être sur l'autre. Faudrait que je... Ouais, bah voilà. Tu foutu, hein? Pourquoi soigner alors qu'il y a un docteur? C'est bien vrai. Pas... Mais c'est le profil du Noed. Et voilà. Hop. Crier. Hit. Tombe au sol dans pas longtemps. Ok, je crois qu'il a été le tour et joué là-dessus, hein. J'ai un gros doute sur le fait que ce soit intéressant de faire ce moteur, mais je le fais malgré tout. Ok. Elle est tombée trop loin. Il va utiliser son brise. Son brise. Son électrochoc. On va pas avoir le temps. Il va utiliser son électrochoc juste derrière. Genre, il va l'accrocher. Franchement, on a eu. On a eu quoi? 5 secondes? Ah, peut-être que mon matou peut jouer la donne. Wopa! À 4, ouais. Voilà. Je sais pas si c'est la bonne sortie, mais... Wow! Elle est en bas, elle est en bas. Franchement, on est à 4 moteurs. Hein. Franchement, 4 moteurs. C'est dommage qu'elle va pas le tenir. Très dommage. C'est une game trap. Ouais, je le sens qu'il va être une game trap. Je le sens aussi, hein. Si elle est capable de le tenir, genre, je sais pas, 30 secondes, il va arrêter de la suivre. Allez, plus que 29 secondes. Merci, Mr. Pity. Merci beaucoup, Mr. Pity, pour les 64. Merci, c'est énorme. C'est énorme, Mr. Pity. 64 mois de soutien, c'est énorme, merci beaucoup. Merci, Elvresh. Pour les 13 mois. Merci beaucoup. Allez, bien sûr. Abonne-toi, mets la cloche.